c'est toujours avec impatience qu'on attend les vendredis, parce que vendredi, dans cette émission, c'est jour de gloire, c'est jour de joie, et parce que c'est clair qu'on partage beaucoup de cadeaux. Alors, vous allez vous amuser avec nous aujourd'hui, et on va le faire très, très bien. Au programme. Justement, au programme, bienvenue, on est le vendredi, comme elle a dit. Et bien sûr, il y a plein de cadeaux qui vous attendent. Il y a voilà, des cadeaux venant de Duchesse de Châteaufort, Tankoti Mati, Rama Beauty, et Skin Technology by Latania. Bien sûr, c'est dans cette émission, vous aurez également des gagnants qui vont repartir avec leurs cadeaux. C'est aujourd'hui. Bienvenue, on est dans la pause. De Abadakhono, passant par Lagos, Abidjan, il a fait le tour du monde. Il nous a bercé notre enfance par cette mélodie, Sukulvim Nilo. Donc, pour l'avant, ma voix, non, non, non. Non, non, non. Adjo, devoir de mémoire, histoire de répertoire. On va parler de ce grand homme de la musique togolaise, Eric Emcee. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2021 et sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons bien sûr les Gaël. En PIV, c'est les Kofi Afi. En pays Kabien, c'est les Koumé Alo, Koumé Abalo. Zanlé. Fond de la classe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Ça a manqué d'énergie. Hein, ah bah, la... Alors j'espère que ça va à la maison. Le boom fire. Oui, il faut que tu recommences. Ouais. Je recommence. S'il te plaît. Boom fire Kilimanjaro, fond de la classe. J'espère que vous allez bien tout le monde. On va bien. Ok, super. Alors aujourd'hui, c'est vendredi. On fait quoi? On se. Là. Voilà, on va pas trop parler. Beaucoup de jeux sont là. Yeah. Ah oui, on se lève justement avec beaucoup de jeux, beaucoup de lots à gagner. Restez avec nous, on va jouer avec John, on va jouer avec Raouf, on va jouer avec Lady Shams, on va jouer avec Manu également. Donc restez là et soyez prêts, hein, parce que ça va déménager tout à l'heure. Donc aujourd'hui, moi je vais parler quand même d'un événement qui aura lieu ce week-end. Et dans l'émission, on va se retrouver en mode jeu de retraduction en langue. On va aller en français, Océane. Chacun sait son français qu'on parle. Oui. Mais nous, merci tout le monde, c'est vendredi. Super. N'essaye pas. Hola. C'est gentil. C'est quoi les manières envers la femme de quelqu'un quand même, hein? Il y a un enfant qui a tassé le karaté, simplement. Attends, c'était censé faire la démonstration de mon jeu. Mais moi, j'attendais la version en français. Si, mais je l'ai fait la version en français. Tu as fait la mélodie. C'est la meilleure des versions. Tu m'as feinté. Tony, il est d'accord avec moi quand j'ai commencé à chanter la chanson. J'adore. Alors, aujourd'hui, on sera pas seul sur ce plateau. Cette émission va se faire et va se faire largement. Nous parlons également de danse. Et quand on parle de danse, on a le patron et la patronne qui sont en studio. Je vais vous demander simplement d'accueillir avec moi Raouf et Lady Shams. Sigbe karate. Olombo doudou. Bien non fait kata. Sigbe karate. Bonjour Lady. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'en va où cette fois-ci pour la découverte de danse?
Je vais faire quelques pas de danse. Okay. Ensuite, je vais faire encore quelques pas de danse que vous allez reproduire. Et Alors, comment il faut que tu te mettes un peu. Non, c'est toi qui vas reproduire, ça c'est pour toi. On n'a rien à craindre parce qu'aujourd'hui le studio est bien rempli. Voilà. Nous avons également des invités pour vous parler des événements de ce week-end, mais à ne rater absolument pas. Wow. Nous parlons d'enjoyment. Enjoyment. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, si vous n'avez pas encore votre ticket, restez avec nous dans cette émission parce qu'il en reste certainement quoi, 5, 6, 7. Et j'espère que vous allez profiter de ces moments uniques dans ce mois de décembre. Monsieur Raouf. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, avec moi aujourd'hui, ça va être soft, comme j'aime le dire. Non, ça va être doux. Ça va être... Ça va être gentil. Non. En fait, moi, avec moi aujourd'hui, on va jouer... On va faire quoi? On va faire... Le piqué. Le piqué qui est doux. Le piqué. Un piqué doux. Avec le micro, bien sûr. Un piqué doux. Et on va... Vous avez déjà, vous voyez déjà ça, on a la corde à sauter. On va, je vais voir avec le public ici, on va essayer de... Avec des talons. Oui, on peut faire avec les talons, déjà je vois, tu vois. Avec les talons, tu vois, ça donne un espèce de lévitation. Donc, je pense que ça va se faire. En plus, c'est avec un public charmant là, donc... Tu fais trop les manières. Applaudissements. C'est bon, là. Merci beaucoup. Alors, l'émotion. Si je vais passer ce micro, on ne sait jamais. Si vous êtes à la maison, que vous nous suivez aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes quelle date? Le 17, et que vous voulez remporter des prix offerts par Duchesse de Châteaufort. Vous êtes avec nos partenaires Aura Bank également. Ah ouais. Tanko Timati, Skin Technology by Latania. Vous avez Help Smoothie qui vous offre également des bons de smoothie et plein d'autres lots à remporter. Je n'oublierai pas les cartes Visa Prépayé Liberté d'Aura Bank avec comme dépôt initial 25 000 et 50 000 francs. Vous pouvez aussi ne pas jouer, hein, c'est pas grave. Ne jouez pas, parce que nous-mêmes, on a besoin de cartes ici. Hein. Si vous avez envie de gagner l'un de ces cadeaux, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Si entre-temps, dans une rubrique, vous entendez une question qui vous inspire et vous parle, n'hésitez pas à envoyer le numéro envoyer le message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06. Bien, merci tout le monde, on va commencer cette émission. On raccompagne Lely Shams et notre cher Raouf dans le studio et on part avec la première rubrique de cette émission. On est dans Bizarre pour saluer et célébrer ceux qui sont nés aujourd'hui et juste après Devoir de mémoire avec un grand homme, un grand artiste. Franchement, lui, vous n'allez jamais pouvoir l'oublier de toute façon. Bizarre. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez en voir et vous n'allez pas en revenir. On va faire des traductions de chansons. Si la chanson à la base était en français, nous allons bifurquer en anglais. Et dans l'autre sens, si c'est dans l'autre sens. Donc ça va être assez corsé. J'étais en train de m'essayer à la première chanson de cette émission, Sukuluvi, du grand Eric MC. Hein. Et oui, ça va plutôt bien. Menilo lava wena kuda da da su kuluvie.
Diane en français. Je suis une élève. Une élève. Tu vas me faire. Je suis une élève. Élève. Tu vas me faire. Qu'au doucement. Tu as tué ça. Non, alors, mais. J'ai juste fait ça. C'est très bien. Parce que ton coloco, là, c'est pas pour toi. Je t'en tiens. Ton coloco, tu vas faire ton coloco de Tony. Non, mais. Ça. Non, John a la base, il a. Ah, mais maintenant, mais si. Non, je lui double ça. C'est pas grave. Quel double. Il a double. C'est une grâce. Alors, menteur en deux. Alors, justement, aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2021. Bien sûr, sur le calendrier grégorien usuel, c'est les Gaël qui fêtent leur anniversaire. En PIV, il s'agit des Kofi, Kofigan, Afi, Afiwa, Apikabie, c'est les Kouméalo, Kouméabalo. Mais pour, avant d'aller sur la photo des anniversaires, et devoir de mémoire, histoire de répertoire, on va parler de ce grand homme-là. Et d'abord, je vais vous poser la question. Hein. Vous connaissez Eric MC? Très bien. Très, très bien. Comment vous le connaissez? Alors, Eric MC, il fait partie des tout premiers, sinon précurseurs du rap togolais. Yeah. On parle, bien entendu, des années avant ma puberté. Ah, d'accord, oui? Donc, je ne pourrais pas vous situer la date exacte. C'est très précis. C'est très, très précis. Et il s'est également aventuré pendant quelques temps en politique. Et puis aujourd'hui, il reste quand même l'un des doyens qui tend la main aux jeunes artistes pour leur donner de ces cordes-là pour pouvoir mieux évoluer dans le domaine musical au Togo. Un artiste qui, on peut le dire de temps en temps, est incontroversé. Il est vu différemment parce que ce n'est pas une personne qui mâche ses mots, mais ça reste le plus authentique, en tout cas, des artistes que je connais ici au Togo. Eric MC, doyen, chapeau. Aujourd'hui, on parle de tube. Ouais. Ouais. Dans le temps, il ne faisait que des tuyaux. Ah, des gros tuyaux. Il faut alors, dire... Guéret, qu'est-ce que tu gardes de lui? Moi, Eric MC, c'est vrai que je ne l'ai pas connu. Non, je sais moi, que j'ai... tu n'étais j'ai pas né. J'ai en 2001, non? J'ai appris, voilà, j'ai appris en cours ses chansons, mais moi, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu ses débuts. Je l'ai... Tu voilà, j'ai écouté ses morceaux. Mais oui, bien sûr. Au moins ça. Plusieurs fois, du moins. Oui. Oui, Manu, qu'est-ce que tu gardes? Ajamofo ya ona, Ntalo. Ajamofo ya ona, Ntalo. Ne bine ya mi afwane ne gaume. Bye bye. Oh non, yo. Non, en fait, quand on parle de hip-hop togolais, c'est l'un des pionniers. Ah ouais? Et moi, je lui tire chapeau parce que malgré les années qui passent, le monsieur, il n'a pas changé de métier. Pour venir dire que maintenant, il ne chante plus. Non, il est toujours là. Il a même un orchestre à son actif. Ouais. Et pour tous ceux qui veulent, sachez que Eric MC a une sonorisation, un orchestre et qui se déplace pour tout ce qu'il y a comme événement. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Juste un petit ajout à ce que Menteur aurait eu à dire aujourd'hui. Mais maintenant, je veux bien qu'on visite un peu hein, ce grand artiste, musicalement parlant, parce que même si nous avons eu la chance de le côtoyer, de le connaître ou encore de fredonner ses belles chansons. Oui. Je sais que la jeune génération n'a pas eu cette chance-là. Mais aujourd'hui, on vous emmène quand même dans nos petits secrets avec cette vidéo, si Menteur le permet. Juste après, on revient pour poursuivre cette émission. Yé, Sukulubi le Nimenya, Nokomavano Wenoko. Do, aïe, makula, on se fait l'emballo. Et n'y a si banaya, il est déjà beau miro. Si ne vous sort, l'on le voit. Blé, blé, nous, vivi les vévé, mais asea, non maïare, ago maïlo. On se fait l'emballo, on se fait l'emballo, on se fait l'emballo. Amadin Godoa, Edu Loto Bodo, Wetri Godo, Woto Woto Datugo, et Gavofion, et Wanhanyakene, Mebe Maye Diade, Dabumia Jagran, Leye Gilanti,
Mais comme aïe ou yobe mi sa bonne cou. Nous soube si kotivo yo aïe les mêmes là. Bébé hochon et la tronon, yo d'abord né. Donc on a pas sobané là-bas, mais ma goussi yo. Kosi wapi de denon, mino de denon. Abe soukoulou vikene et de moule yo. Tona tata, me yina de soukoulou ha. Kona tramon yide asian homé. Yene l'on la dalon l'on po doko na basra. La seda la devi meni la ne tata sea. La djego la tona papa la gaba pom la. Nga folle me honto el on va soukoulou vile ni menya. Doko ma vano wenoko. Do 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 ay makula. On toel on va lo, on toel on va lo. Chap chap gavo me kosiro wa bisu kulu viem me wozo ade me son when tobel ame made nu na wa awo ma sizo na wa awo fiye ya awo fiye ai fofo bi awo la doko na va ja tro ho ade me ti nu me dagboro ve me elan va ti la me na fo so baba ibe ina de sukulu ako ojo yi ti tagbo a ho pon ti tabago memle nu o vale fa vile kunam cho ale kele me ma wo e won mu dogbo nyola ti ta ye yi de ti tagbo kaba kaba nto mi no le we mi no pa we gbo no vi mi no le Kura da da so kuru vie menilo lava wenam kura da da ngobe miti amaden godwa elulo topo do wetri woto egao fion bien alors coucou la pause. J'espère que vous portez bien, vous êtes tous très beaux et belles ce matin. Bonne émission à vous, merci beaucoup. Salut la pause. La chanson de l'artiste est trop bonne malgré que je ne comprenne pas la langue, mais je sens qu'il dit quelque chose de bon. Bah, attention aussi, hein. C'est Dieu qui vous a béni, vous n'avez pas compris la langue, hein. Je vous assure, franchement merci beaucoup de nous suivre. Un message qui vient depuis Cara et c'est de la part d'Elka. Merci beaucoup Elka. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors, bonjour. Bonjour. Océane, c'est quoi on va te faire, ma... Oh. Que comment? Il ne faut rien me faire, vous me laissez comme ça. Bien, on continue. Alors, justement, comme la téléspectatrice là vient de le dire, qu'elle ne comprend absolument rien, mais dans cette chanson, Eric Kepsi nous parle des grossesses précoces en milieu scolaire. Aïe. Et je rappelle que Eric Kepsi, dans les années 2000, fut l'un des artistes les plus adulés ici au Togo, la star, pour si j'ose le mot. Mm-hmm. Et de par les années qui ont suivi, il est rentré en controverse avec le Togo Hip Hop Awards. Après, c'est la censure. Ouais. Et ce qui fait que la jeune génération ne le connaît pas assez. Eric Kepsi, c'est cet artiste-là qui a vendu la musique togolaise à l'étranger, ouais. Surtout en Europe. Eric Kepsi, c'est l'activiste qui interpelle quand il le faut le gouvernement en place. Eric Kepsi, c'est un homme exceptionnel de par son physique. C'est un homme exceptionnel de par son éloquence. C'est un homme exceptionnel de par sa créativité. Mm-hmm. Papa Eric, merci pour tout ce que tu as fait pour la musique togolaise. Maman, si tu le veux, on peut y aller avec la vidéo des photos des anniversaires. Des ennuis,
Voilà, alors on va poursuivre cette émission à présent. Merci pour tous les messages. On en lit quelques-uns, si vous le permettez. Ah, mais vas-y. Vous allez devoir répondre aux salutations. Salut la pause. Salut. Lorraine Abbé, comment allez-vous? Très bien. Bonne émission à vous. Ben, merci beaucoup, Lorraine. Abigail, depuis... Alors, avant Abigail, j'ai quand même coucou la pause. Coucou, oh, salut. Océane, très belle. C'est ta maman qui t'a mise au monde, non? C'est son papa. Je vous dis tout de suite. C'est son cousin. J'ai demandé à la famille comment ça s'est passé. Mon père a porté la grossesse, ma mère a travaillé et elle a payé les frais d'accouchement. Okay. Ça s'est passé exactement comme ça. Vous êtes merveilleux, merci beaucoup. Il vous dit qu'il vous aime tous et que Dieu soit avec nous, c'est depuis le Bénin. Thank you so much, merci. C'est très très gentil. Alors, un autre message. Bonjour la pause. Bonjour. Océane, très belle coiffure, c'est Pascal depuis Kagome. Merci beaucoup. Merci, bonjour Pascal. La pause. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes chic ce matin, je vous aime beaucoup. C'est Happy depuis Balou, préfecture de Wawa. Merci beaucoup, Happy. S'il vous plaît, est-ce que le technicien... Ah, ok, I see. Don't worry. Thank you very much. Hein. Alors, on continue. Coucou, la pause. Salut. Océane, la robe Mom's Hall te va bien. Elle est belle. C'est un connaisseur ou une connaisseuse? La robe comment? Mais pas... Non, parce que vous connaissez, j'ai bien envie de vous en offrir une. On ne sait jamais. Réécrivez-moi à la fin de cette émission. Ça peut être votre jour de chance. Ben oui, hein. Bonjour, la pause. Bonjour. Moi, c'est Aimé depuis Zossi, mais vous êtes très chic. Merci beaucoup, Aimé. Oh, il faut arrêter les messages pour le moment. On va continuer cette émission. Alors, on parlait de jeu, d'accord? Et cette fois-ci, on va mettre à contribution nos invités d'aujourd'hui, également vous qui êtes à la maison. Donc, vous avez la possibilité de remporter toutes sortes de prix, à condition que vous donnez les bonnes réponses ou alors que vous puissiez bien jouer et que ce soit du sans faute. Hein. On part avec la rubrique musicale. Manu Lior a encore des pièges pour vous. Pas pour nous, mais c'est pour vous et pour vous, à la maison. Bizarre, c'est tout de suite avec le plus grand des Bibi les coups. Professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors, c'était assez bizarre quand même de conclure bizarre avec du bizarre alors qu'on avait pause voice avec Manu Lior. C'est pas grave. Alors, coucou la pause. Coucou. Comment allez-vous? Super. Bien, j'espère que vous êtes tous beaux au plateau. Soyez immensement bénis. Au nom de Jésus. C'est Alexandre depuis Cara. Bonjour, Océane. Bonjour. Tu es très belle. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Coucou la pause. Coucou. Trop de mignoncité en vous aujourd'hui. Votre émission déchire grave. Oh là là. Je vous kiffe tous. Bonne émission. C'est Grand Z depuis Pimé. Déchirer. Shalom la pause. Tata Océane, t'es belle comme d'habitude. Merci beaucoup comme d'habitude. Et belle voix aussi, grazie. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour le week-end dans les grâces de Dieu. C'est Nadia depuis Cotonou au Bénin. Bonjour la pause. Bonjour. Que Dieu vous garde. Thank you. Ton habillement me plaît. C'est Lédé depuis Thiéville. Merci beaucoup Lédé. Louise depuis Ségbé dit salut la pause. Salut. Vous êtes... splendiférique. J'aime bien ce mot. C'est l'adverbe bien. Non, ça c'est bon. Non, ça c'est bon. Ce sont des trucs que moi j'aime bien. Ça c'est voilà, c'est un néologisme. La personne a néologisme, mais il faut créer de nouveaux mots chaque fois. C'est très bien. Splendiférique.
c'est Fantasme Corique. Ça, je m'y attendais pas du tout. Tu risques de respirer, là. Non, on va rester dans la musique avec Manu, parce que vos esprits sont en train de divaguer sérieusement. Manu Lior, le jeu. Mais laisse-moi quand même, Linus, nous dire comment ça va se passer, ton jeu. Linus. Alors, je pense qu'on a introduit tout ça au début de cette émission. C'est simple. L'idée, c'est que Manu fasse crépiter la guitare, nous sorte une chanson qui serait chantée en français ou en mina. Et l'idée, c'est que la personne qui vient jouer fasse la traduction en français ou en mina. Ça dépend. Voilà. Alors, tu le disais tout à l'heure, on a bien envie de jouer avec des spectateurs aujourd'hui. Donc, on peut piocher une personne au hasard. Alors, est-ce qu'on peut demander déjà si quelqu'un se sent... Est-ce qu'il y a une personne qui se sent capable de traduire une chanson? Une chanson? Go, on parle d'improvisation, si vous êtes un as de l'impro. Sur le coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attention, si vous ne... Si, ça peut, je pense, vous donner un peu plus de boum au cœur, vous allez remporter des bouteilles, des duchesses. Il y a des lots à la clé, hein. Il y a une première main, Océane. Une première personne, s'il vous plaît. J'ai vu une main. On va l'applaudir. Venez. Avec des ovations, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, enlevez. La démarche de ça. Merci, je prends mon micro. Merci. Voilà. J'ai l'impression de connaître ce visage. Allez, là, arrête d'envoyer ta cousine dans l'émission gagnée pour ma part. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Vous? Je vais très très bien. Comment vous appelez? Noélie. Noélie. Ah, donc, à Ranouton. Donc, tu as voulu jouer pour gagner du geste de château fort, hein? Mm-hmm. Papa, maman, Noélie. Vous voyez ce que Noélie fait à la télévision nationale? Noélie. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup de chance. Vous mettez ici. D'accord. Vous écoutez la musique. Manu va vous faire la première version. La langue basique et vous allez traduire. Si la chanson est en français... Pour faciliter la tâche, je pense qu'on va lui donner une fiche de Tokoli. Alors, ça va rester avec... je pense qu'on est avec Tony X. Hein. Oh non. Oh, oui. Oh Duchesse, oui. Elle a dit oh non. Duchesse. Pense à la bouteille de Duchesse. Oh oui, voilà. Tu es une, Duchesse toi-même. Voilà. C'est ça, c'est Colo. C'est même français. Tu vois, tu traduis Tokolo là en français. En français. Olombo doudoudou. Il y a l'enfant qui a tassé le karaté. Voilà, Olombo doudoudou aussi en français. Et puis. Tokolo, c'est pas. Ah, ça, c'est pas libre à toi. On va applaudir Marc-Henri, s'il vous plaît. Manu, c'est quand tu veux. C'est parti. Tokolo, 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 pakolo, 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 olombo doudoudou, bien enfin kaka, si gota. Traduction. Bouge ton corps, 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 tu es en train de danser en faisant des grands TK comme karaté. Je m'attendais pas, mais pas du, du tout à ça. Moi non plus. C'est extra. Et du coup, on comprend que le toco, c'est ce que ça veut dire. Bouge ton corps. Ouais. Elle avait même la traduction du genre. Non, moi, j'aimerais demander. Bravo, franchement, c'est trop mignon. Elle vient de quelle école? Oui, justement. Isab. Je viens de Isab, de Agouet. Mais vous êtes créative. Agouet, la balle. C'est vous, Agouet. Quelle filière? C'est eux, genre la communication des entreprises. Communication des entreprises. Vous communiquez super bien. Merci beaucoup. Alors, elle a gagné ou pas? Elle a gagné. 100%. Ton ennemi est là, dis que tu n'as pas gagné. Elle a gagné, elle a gagné, franchement elle a gagné. Alors ma chérie, tu vas venir avec moi, tu vas choisir toi-même ton lot.
Tu prends une bouteille de Duchesse de Châteaufort. Pour un il y a beaucoup de bouteilles. Non, mais tu sais, le brut n'est pas bien. Il faut goûter le blanc. Non, laisse le blanc. C'est vrai. Elle a choisi notre première candidate. Elle a joué avec Manu. Elle a remporté sa bouteille, hein, brut de Duchesse de Châteaufort pour les parents à la maison. Merci beaucoup. Je vais vous prendre le micro et puis on va la raccompagner à sa place. Wow. Merci. Wow. What? Est-ce qu'il y a une personne pour faire mieux? Est-ce qu'il y a une personne pour faire mieux? Venez, on va applaudir et l'accueillir aussi, s'il vous plaît. Manu, je sais, j'ai pensé à ça. Alors, déjà, je veux savoir, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Bonjour, Tata. Je m'appelle Asio Bofalmi. Je m'appelle... Asio Bofalmi. Okay. Parfait. Alors, vous allez chanter avec nous la même chose que la précédente, d'accord? Vous vous mettez à l'aise hein, et vous improvisez sur cette chanson. D'accord, quand tu as dit la même chose, j'ai eu peur. Non, pas la même chanson. C'est-à-dire le même format. On est avec Zaga Bambo. On est avec Zaga Bambo. Le morceau, c'est « Fond de toi ». Donc voici le test, baby. Toi-même, tu sais que je suis fan de toi. Fond de toi. Donc moi, je chante en français et puis après, ça sera à toi en éveil. C'est bon? Fais face à la caméra. Alors, on va se mettre, voilà. Face à la caméra. Good. Et c'est parfait. Baby, toi-même, tu sais que je suis fan de toi. Fan de toi, fan de toi. Fond de toi, fond de toi. Baby, when ta onya bem le fond de toi. Baby, when ta onya bem le fond de toi. Je veux bien te rattraper. Hein. Quelle est la traduction de fond de toi en minéral? Fond de toi. C'est... On va rapprocher le micro. Le kunao. C'est ce qu'il fallait mettre. Le kunao. C'est ce qu'il fallait mettre. Voilà. Est-ce qu'on peut refaire le tout avec voilà, la traduction de fond de toi? Non, mais quand même, attendez, saluer l'improvisation. Oui, hein. Moi, je me suis cru à un c'est concert, là. Hein. C'est une bête de scène. Elle est partie dans son rythme. Ah oui. Hein. Ah oui. OK. Bon, on peut refaire ça, Manu? Non, mais moi, j'ai pas de soucis. C'est bon? Même les bébés, hein, Mina? Baby, on t'en a bien, on les kunao. J'avoue. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que là, on te donne le trophée de l'ambiance. Ouais, ça, c'est vrai. Ambiancé. Vraiment. C'était super génial. Ça, c'est vrai. Cool, ça, mais il était à fond. Hein. Oui, si on met là par rapport au jeu, même à fond. Bon, c'est pas bon. Ça. Bon, on lui donne un cadeau ou pas? Quand même, un oui, cadeau. On lui donne un cadeau. Oui, oui, oui. OK. Bon, on va lui faire un sac. On va lui faire un sac de produits cosmétiques. De produits cosmétiques. Ah, on va vous offrir un sac de produits cosmétiques. Et puis, quelqu'un a dit aussi tant que tu m'as dit. On va faire de la sauce pour ces fins d'année ou cette fin d'année. Donc, on vous donnera quelques tomates que vous allez déguster. Et après, vous nous direz ce que vous en pensez. Hein. Bien. Dans ce sac, vous avez tout plein de choses, produits de cosmétiques, parfums et des tomates. C'est pour vous. Merci beaucoup. C'est moi. Bravo. Manu,
non, je pense qu'avec deux candidates, on c'est a vrai, fini hein, avec franchement, Rose Voice. On n'aurait pas pu faire mieux. Oui, ça, franchement, c'est on n'aurait pas pu faire mieux. JJ Vigne, yeah, Antonia Be Mulekuna, oh. JJ Vigne, yeah, Antonia Be Mulekuna, oh. Kuna, oh, Kuna, oh. Kuna, oh, Kuna. Duchesse ou pas? Ouais! Duchesse ou pas? Le matin, Non, j'ai vraiment quelque chose pour toi et je voulais te remettre depuis très très longtemps, Manu. C'est pastel. Avec tout mon amour, Manu, tiens ton porte-clés. Tu vas t'en servir comme ça, tu vas pas perdre tes trucs. Je savais que t'allais faire ça. Merci. Maintenant, assieds-toi. On va poursuivre cette émission. La partie musique et chant, ça s'est bien passé, je pense bien. On est tous d'accord que ça a été. Oui. Maintenant, on va bien voir si la partie danse et également les jeux, vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que là, on est sur le plan physique et ça va demander un peu plus d'énergie. Plus on va partir avec pause danse et juste après, on retrouve notre cher Raouf et Lily Shams. Jingle. Dans nos campagnes, on entonne l'hymne des cieux. On vous le promet que les vendredis, c'est toujours comme ça. Ça se déchaîne ici, la joie de vivre. Et j'espère que c'est pareil chez vous à la maison. En tout cas, avec les messages que vous nous envoyez, je suis totalement rassurée, vous êtes en joie. Je veux également vous rappeler que la semaine prochaine, nous allons retrouver les petits-enfants qui participent justement au concours pour la préservation de l'environnement avec M. Joël Missebou. Par nous et pour nous dans cette émission. Ça va être le lundi, le mercredi et le vendredi pour l'apothéose. Et ces enfants ou ceux qui vont gagner repartiront avec des tablettes et également des formations, sans oublier quelques autres lots annexes. Bonjour la famille. Bonjour. J'admire la joie que vous criez au sein de la TVT dans les cœurs des téléspectateurs. Que Dieu vous accompagne. Bonne émission à vous. Merci. C'est Ambroise depuis Tandjouaré. Merci beaucoup Ambroise. La fête là, hein, Kito Kito, c'est le OK bourgeois depuis le Bénin. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous suivre depuis là-bas. Salut la pause. Salut. Vous êtes très cool ce matin, juste pour vous souhaiter une bonne émission. C'est Alice depuis Legbacito. Merci Alice. Alors, pourquoi vous ne répondez pas ou bien vous préférez les messages par écrit?
Venez de répondre à la question. Vous envoyez un message par écrit, parce qu'ici, il n'y a que des messages. Si vous envoyez un audio, je peux bien l'écouter, mais je ne peux pas l'écouter. Je ne suis pas en droit d'écouter. Aïe. Merci beaucoup. Bonjour, La Pause. Bonjour. Merci d'exister. Thank you so much. Merci d'exister aussi. Vous également. Franchement, merci d'exister. Alors, bonjour, La Pause. Je vous aime tous. C'est merci, Samson bonjour. Depuis Bamako. Merci, Samson. Hello, Océane. La deuxième fille m'a tué encore plus. Non. L'animation de ça. Mylène depuis Cotonou, merci Lago, c'est vraiment très très sympathique, merci beaucoup. Et maintenant, nous continuons toujours avec nos candidats qui sont dans le studio, hein, et on va vider l'étalage de Duchesse de Châteaufort et de Tanko Timas. Je veux également rappeler, hein, ne pensez pas avoir gagné, que nous avons un seau de porte-clé qui est plus facile à distribuer, vous avez compris. Bien. Qu'est-ce que nous avons à faire par ici, madame? Océane, je pense qu'on l'a déjà dit au tout début, elle est là, Lady Shams, pour ses pas de danse. C'est simple, elle va devoir exécuter quelques pas de danse que quelques personnes dans le studio vont devoir reproduire. D'accord. Donc, soyez attentifs et tenez-vous prêts. Lady Shams, c'est quand tu veux. Alors, est-ce qu'on on invite tout de suite une candidate ou un candidat? Il faut que la personne soit avant, à côté. Avant. Est-ce que je peux avoir une personne ici, s'il vous plaît? Deux personnes. Oui, venez. Allez, enlevez, venez. On a un volontaire, ce serait si bien qu'on ait une dame aussi. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous mettre ici, à côté de Lady Shams. Et Lady Shams, dès que vous êtes prêts, on part. Dans le micro. Ok. Bien. Non, mais ça, c'est du sport, alors, là. C'est, non, que ce soit du sport ou bien tout ce que tu veux, il va devoir reproduire. C'est le plus important. On va remettre la chanson pour notre ami à trois, s'il vous plaît. Un, deux, trois, c'est parti. Bien, est-ce Lady que c'est Shams, ça? Est-ce que c'est ça? C'est trop facile! Non, je crois que c'est juste l'entrée pour le réveil. OK. Sinon, bah, oui, voilà. Non, en fait, toi-même, tu te vois déjà avec Duchesse. Ah, mon frère! C'est la décomposition OK, deuxième partie. La suite. Okay. La suite. Musique. DJ. Ayadou Douane Do. C'est tué. Maman, tu es fils, maintenant la maison sans Duchesse. Il faut le faire. Moi, franchement, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Est-ce que vous avez cerné, bien sûr, les pas? Non, il a cerné. On peut aller, hein. On peut aller. Okay. Musique. On n'a pas fait le début, je le fais la fin. C'est parti. C'est parti. On peut le faire. Ayadou Douaneto. Attention, alors, venez, mettez-vous juste à côté de Lady Shams. La maîtresse de jeu va nous dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je pourrais dire ce qui s'est passé, mais déjà la seule qui est capable de nous dire si ce sont les pas, c'est Lady Shams. Est-ce que ce sont les pas? Le début, oui, mais la suite, non. Non. Ah. Mais comment vous pouvez dire ça? Ça veut dire... Alors, à quel moment est-ce que... Voilà, à quel moment, Lady? Quel pas il n'a pas réussi? Après, c'est facile.
1, 2, 3, 8. Et il fallait faire quoi? 1, ok. Deux. Ah, mais c'est non. Ah, il a des gammes. Il y avait le digam. Mais là, ici, le tombé pas. Le tombé pas tellement. Il n'y avait même pas de tombé pas tellement dedans. Mais sinon, quand même, on va applaudir. Félicitations. Merci. Ah, c'est le sol, c'est le sol. Mais il ne part pas comme ça. Non, vous n'allez pas repartir comme ça. On va vous donner un petit cadeau. Voilà. D'accord. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Non, il n'est pas tombé. Non, vous n'êtes pas tombé pour rien, c'est sérieux. Vous avez le sol. Passez un micro. Okay. D'accord. Merci, Lady. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ayaté Narcisse. Narcisse. Ouais. Franchement, merci beaucoup et félicitations, Narcisse. Vous êtes étudiant? Je suis étudiant. Vous êtes étudiant? Ouais. Vous aimez la littérature? Ah bon, je lis beaucoup. Vous lisez? C'est quoi le titre du dernier livre que vous avez lu? Moi, l'autre fois, j'avais acheté le livre de... Père riche et père pauvre. Là. Père riche et père pauvre. Ah, un bon classique qu'il faut lire absolument. Maintenant, je vais vous rajouter un autre livre que vous allez adorer. Reste avec moi, d'Ayoub Ami Adebayor, donc qui nous vient justement des éditions Le Littéraire, et j'espère que vous allez en faire un bon usage. D'accord. Au-delà de ça, vous avez... ça, c'est pour votre... Vous avez une petite sœur ou un petit frère? La petite sœur. Voilà, ça va être pour votre petite sœur, d'accord. Et puis, vous avez des porte-clés pour votre trousseau de clés. C'est bon? C'est là. C'est Guiflet, guitare. Bravo! Merci. Mais dis donc, Mère Noël est gentille aujourd'hui. Je suis trop gentille aujourd'hui. Non, je vais partager les porte-clés là jusqu'à la duchesse avant les terres. Bien. Merci, Lady. Alors, merci, je pense que c'est bien que tu prennes ma place ici. On va continuer à jouer avec notre cher et unique Raouf. On continue ça donc va être quoi avec Raouf. On va commencer avec la corde à sauter. Où est l'outil de travail? L'outil de travail, comment il apporte la corde à sauter. Maintenant, on aura besoin de deux candidats. Candidats. La première candidate, c'est bien sûr Océane. Le principe, Océane. Alors, on va bien rapprocher le Océane micro. Océane maîtrise trop, donc pas la peine qu'elle fasse. Je tiens, Océane, à rappeler le principe. D'accord. On a besoin de deux candidats pour la corde à sauter. C'est simple, pendant une minute, vous avez à sauter. Et celui qui repartira, disons celui qui fera le plus de sauts à la corde, sera le gagnant. Donc, on a besoin de deux candidats. Une minute pour faire des sauts à la corde. À la corde. Et la personne qui tiendra sans faute sur la minute repartira avec un cadeau. Sans faute avec le plus de nombre. Sans faute avec le plus de nombre. Bien. Deux candidats pour le jeu de corde à sauter. Deux candidats. Ok, tu viens. On a deux candidats. Vous pouvez l'enlever. Merci beaucoup. Ok, alors, on a deux candidats. Donc, je vais garder... OK, je vous garde en premier, d'accord? Venez, vous vous mettez dans le petit coin de l'autre côté, vous vous mettez aussi dans l'autre petit coin, d'accord? Et vous vous mettez au milieu. C'est avec vous que nous allons commencer. Océane, tu veux essayer? Oh, hein? Non, comme Océane. Je suis en talent, là, ça va être compliqué. Océane, tu te plais, pardon. Non, je peux quand même. Ça va. On va laisser les pros le faire. Non, mais c'est pas que je ne sais pas faire. Je veux juste montrer comment on peut ne pas faire. Comment on peut rater. On va le faire comme ça. Par terre directement, c'est plus facile. On va applaudir notre premier candidat. Jovi. Ok. On commence avec Jovi. Jovic. Jovic. Alors, on va baisser la musique. C'est parce ça. Qu'il faut qu'on compte. Il faut se concentrer. Alors, dès que c'est bon. Silence total. 1, 2, 3, et top. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1 minute 86 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 pour 48 secondes. Bien, 86 pour 48 secondes. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième personne. Venez, s'il vous plaît. Vous reprenez sa place. Merci bien. Je pense que c'est... Alors, on va noter, quand même le timing et également le nombre de sauts avant de donner le top au deuxième candidat. Alors, je vais vous demander d'éviter au maximum le tapis parce que ça peut vous mettre en difficulté. Exactement. Voilà, encore un peu. Je pense que c'est bon. Bon. Parfait. Aller, hein. Bien. Baby. Maîtresse de jeu. 1, 2, 3 et top. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 130 sauts pour une minute. Et la dernière personne, venez, s'il vous plaît. Tiens, Mali, Lolo. Mali. Comment tu regardes ça? Bien. Mais s'il va, on va applaudir le troisième candidat, s'il vous plaît. S'il est plus rapide, il peut dépasser le premier. Océane? Oui. 1, 2, 3. Silence total. Top. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien essayé, c'est bien essayé. Merci. On va l'accompagner à sa place, s'il vous plaît. Océane, avant qu'il ne parte, s'il te plaît, j'aimerais qu'on le ramène. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir? C'est elle qui décide d'en venir. Maître de jeu, Raouf, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu aller plus loin? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? En fait, le défaut, son premier défaut, c'est qu'il sautait trop haut. D'accord. Donc, ce qu'il a désavantagé en quelque sorte. Parce qu'il montait très haut, il fallait juste être petit à la petit saut. Et aller rapidement. D'accord. Une astuce pour le saut à la corde. Merci, Raouf. Merci beaucoup, monsieur. De toute façon, vous n'avez pas démérité, hein, on va vous trouver un joli cadre. Ouais, d'accord, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Par ici. C'est ici que tout se passe. Je vais vous inviter en deuxième parce que vous étiez le premier. Alors, vous vous attendez un peu quand même. Bonjour. Comment vous appelez? Jovic. Jovic, hein? Oui. Vous êtes jovial. Hein? Merci, c'est ça gentil. Ça fait bien. Alors, le Jovic score. A fait 86 sauts pour 48 secondes. Et voilà, donc c'est ça. 86 sauts pour 48 secondes. Ça s'applaudit quand même parce que c'est pas évident. Et à côté, je vous mets ici. On a Samuel, c'est bien ça? Oui, oui. Voilà, Samuel qui a fait 130 sauts pour une minute. Wow. Bien, bravo. Alors, on va juste décider avec vous, dans le studio, de qui va repartir avec la bouteille de Duchesse de Châteaufort. Bien sûr. À ma droite, nous avons Jovic. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est Samuel? Oui. Parfait. Samuel, vous pouvez venir ici, c'est vous qui allez faire votre propre choix, d'accord? Vous choisissez... On va voir si Samuel... Voilà, le gros... Hey, Samuel! C'est normal! On raccompagne Samuel au studio, s'il vous plaît. Bravo, Jovic! Je vais appris. Je suis sensible à cet engagement. Je ne sais pas quel cadeau je vais pouvoir offrir à Jovic. Je fouille, je farfouille. Où est-ce que je peux avoir de bons cadeaux? Non, pas par ici.
Non, vous n'êtes pas une femme. Ah, mais non, mais pourquoi pas, Océane? Vous êtes pour... pour sa soeur. Aura Bank. Voilà, Aura Bank. Vous allez repartir avec un sac Aura Bank. Et j'espère quand même que vous allez pouvoir en profiter. Parce que dans ce sac, vous avez quand même de jolis gadgets Aura Bank. Mais ici, il y a un numéro. Donc, ça doit être dans l'autre. Vérifiez avec moi s'il y a un sac sans numéro, s'il vous plaît. Parce qu'on a également des gens qui avaient gagné. Ah, c'est celui-ci. Voilà, alors, vous avez ceci en cadeau. Merci d'avoir participé. Félicitations, Jovic. Voilà, à sa place. On va enchaîner. Alors, on enchaîne avec. Je pense qu'on va, on va plutôt cette fois-ci enchaîner avec le jeu de Yannick. On va enchaîner avec le jeu de Yannick et on va associer justement avec le plateau invité parce que nous parlons des bons plans pour ce week-end. Un événement à ne rater absolument pas. Si vous avez passé une année très difficile, très longue, vous vous donnez ou vous méritez justement de vous donner l'opportunité de déstresser et de profiter en famille, entre amis, de cette opportunité, mais que j'appelle une opportunité en or. Comment célébrer dans de la joie, dans du bonheur, avec les gens qu'on aime, et surtout oublier tout ce que cette année a apporté comme charge négative. On va en parler tout à l'heure avec Madame Dorian. Et tout de suite, je vais quand même partir avec le jingle Pause Diète de Monsieur Yannick Smoussi, et on va s'amuser avec de la nourriture. C'est parti. Je suis élève complet scolaire à Dogo, chez le fondateur. En classe de 6e à l'âge de 12 ans. Mes chers frères et sœurs, cherchons à mettre un terme à la déforestation et à restaurer des forêts dégradées et à accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau national et mondial. Ensemble avec le projet Parlons pour nous, nous luttons pour la cause de notre environnement. Sur le plateau, je vous aime bien. Belle émission, c'est Rosalie depuis Tiklonu Kondji. Merci beaucoup, Lago. Salut la pause. Salut. Alors, l'émission du jour est vraiment spéciale, mais réservée un peu de duchesse pour ceux qui sont à la mer. Il faut venir au studio. C'est Benjamin depuis Azido Gomé. Alors, vous avez la possibilité quand même, vous aussi, de remporter des bouteilles. Et ainsi seulement, vous venez au studio pour participer au jeu. Hein. Oui. Ce n'est pas, interdit. Ouais. Je vous souhaite quand même la bienvenue à une charmante mais extraordinaire dame qui est avec nous. Bah, écoutez, quand on parle de communication, de production audiovisuelle ou encore, je ne sais pas, d'image de marque, des entreprises, celle-là, franchement, vous n'avez rien à lui apprendre. C'est son domaine. On a même l'impression que c'est elle qui a créé le métier. Bon, quand j'ai fait les atalakous comme merci, ça. Merci, merci. Merci. C'est à ce moment. N'est-ce pas, c'est ça qu'il faut. Bonjour Dorian. Bonjour Océane. Bonjour à belle équipe de la pause. Alors, bonjour. Alors, comment ça va? J'aime bien le Alors, je vais très bien. Je suis contente d'être là parce que je profite. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Et on va jouer aussi avec vous tout à l'heure. Il y a un jeu de piqué. Mais avant ça, je vais quand même, avec Yannick, tester vos capacités à découvrir ou à reconnaître les repas des autres pays ou des pays, enfin, des autres localités du Togo. Hein. Okay. Bonjour Yano. Bonjour aussi, bonjour à tout le monde. Ça va? Oui, ça va super bien. Et d'accord, toi? Ça va super bien. Ok. Donc Océane, on part sur la découverte des plats, comme tu l'as dit, des plats culinaires togolais et étrangers, en tout cas du Togo, avec des images, Yannick, que tu nous proposes aujourd'hui. On a cinq images. Oui, on a cinq images. Et avec la complicité de Innocent, on peut déjà avoir la première image. D'accord. Ah,
La première image. La personne qui va répondre aux questions est déjà avec nous sur le plateau. Je okay. rends grâce à Dieu pour ces belles opportunités. Elle est en chemise rayure avec un petit stick Enjoy écrit dessus. Elle est assise en face de notre cher ami Yannick. Bien, Yannick, servez-vous. Alors, je vois... Ça ressemble à du gari avec de l'huile rouge. Alors, le gari... Yannick, non, non. Ce n'est pas du gari. Est-ce qu'on a voilà. de l'huile rouge au moins? Oui, mais on a de l'huile rouge au moins, oui. Après... L'huile rouge compte pour, l'huile ouais. rouge compte pour 5% de la réponse. 5%. 3%. Mais j'avoue, c'est très, très, très difficultueux. Ah, parce que je ne vois pas bien. Océane, Joker, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour la sauver depuis le studio? Oui, oui. Est-ce qu'une seule personne a reconnu le plat qu'il y a à l'écran? Il faut que la personne vienne devant, bien. S'il vous plaît. Alors, madame. Monsieur, venez, monsieur. C'est du JJ Vicky. Monsieur va nous dire. Qu'est-ce que vous avez reconnu? J'ai reconnu... l'huile rouge avec Adoué. Mais comme ça, vous allez bien me siffler. Je m'appelle... On va faire un peu de silence. Comment vous appelez? Je m'appelle Osobe Kosivi. Oui. Okay. Donc, je suis le chargé des activités socio-éducatives, culturelles et sportives de l'École supérieure des affaires ISAP. Oh, wow. Super, super. Est-ce qu'il a trouvé la bonne réponse, Yannick? Attends, on va... Oui. Il a trouvé, mais ça compte pour 50%. D'accord. Il faut qu'il donne quoi? La provenance des plats? Il faut qu'il donne le nom, oui. Et il faut qu'il donne le pays, voilà, auquel appartient ce plat. Okay. Voilà. Bon, le pays, c'est le Togo. Naturellement. Et Adoué, c'est le peuple guin, Vogan, Tablibo. Alors, nous avons quand même madame d'abord. Non, est-ce que oui, c'est ça. C'est ça, magnifique, bien. Est-ce que on peut accepter qu'on complète? Mais si vous complétez, madame, ça ne veut pas dire que vous avez un cadeau. Hein. C'est lui qui nous regarde. Vous voyez? On va laisser le complément parce que je pense qu'il est bien avancé dans la réponse. Oui, oui ou non? Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Franchement, merci. Merci. On va applaudir. Et comme vous avez participé à une rubrique culinaire, et que quand on parle culinaire, bien sûr, on parle de tomates. Je vais vous inviter à vous rapprocher de cet étalage et vous allez choisir le nombre de tomates que vous voulez pour madame à la maison. Madame, là, donne la roue. Oui. Il a dit, hein, comme il est le papa de jumeaux, il va en prendre 8. Et comme dans l'émission, nous divisons toujours les choses par deux, nous en prenons 4. Alors, vous allez repartir avec 4 bouteilles de Tanko Timati. J'espère que vous allez nous faire un retour après consommation pour nous dire si c'est quand même la meilleure, parce qu'aujourd'hui, Tanko Timati, c'est la meilleure tomate ici. Voilà, on a fait la future, merci beaucoup. Nous allons applaudir et le raccompagner. Merci beaucoup. Le prochain, c'est madame va trouver. On va sur la deuxième image. Oui. Après, on va parler d'Enjoy, s'il vous plaît. Oui. Bien. Deuxième image. Que comment? Ça devrait... dans le micro. Alors, c'est du foufou? Oui. À la sauce claire. Non. Quelle viande? Je vois du poisson, précisément du mâchoiron. Oh. Et je vois du crabe aussi, ouais, du crabe, ouais. Et puis les aubergines. Et puis je vois crevettes. Ouais. Alors, Yannick. Crevettes. C'est du foufou, mais je cherche une spécialité, pardon. Ouais. Voilà, du foufou. C'est le foutou. C'est le foutou. Une spécialité, c'est du foufou, c'est vrai. C'est du foufou. Mais lequel est foufou?
Ça, c'est un couteau. Ah, plantain, banane plantain. Oh, menteur. C'est ma femme. Regardez-moi ça. Non, ça, c'est sûr que c'est, du c'est de la banane plantain. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu recherchais? Oui, c'est du foutou banane. Ouais, c'est du foutou banane. Foufou banane. Oui, foufou banane. Ouais. Différent de foutou? Oui. Parce que le foutou, il est mélangé avec du manioc. Ah oui. Il est très accompagné avec des sauces comme la sauce graine, la vergine, le guaguassou. Bon, les sauces ivoiriennes à la limite. Mais Océane, est-ce que, si tu permets vraiment, oui. La toute dernière image, je pense que ça ferait plaisir à Madame Dorian. Ah ouais. On va sur la toute dernière image. Oui, la troisième. Eh, hey, maman, c'est quoi? Alléluia. C'est du Kedjenou. De. Le morceau là, du poulet, que j'ai eu de poulet. Exact. Super épicé parce que je vois encore des petits grains de piment. Wow. Exact. Ouais, c'est du quai de poulet. C'est ça. Merci. On applaudit Madame Dorian parce qu'elle a bien trouvé. Alors, Madame Dorian, vous restez avec nous. Hein. Je rappelle que Madame Dorian Conan, elle est la promotrice des soirées Enjoy. Justement, qu'est-ce que c'est les soirées Enjoy? Alors, merci déjà de l'opportunité que vous me donnez de me présenter au public togolais. Je suis Dorian Conan, merci encore et merci à La Pause, merci à la famille La Pause. Les soirées Enjoy, ce sont des soirées de rencontres, de réseautage, mais également d'échanges entre les personnes de profils socio-professionnels différents. C'est une occasion pour nous de permettre donc à cette population qui est à la fois jeune et presque vieille, en grippe, je peux me permettre l'expression également, de se rencontrer, de se réjouir, mais surtout de pouvoir faire la mise en relation et pouvoir développer leurs activités pour tout ce qui est entreprise, start-up, ou bien même des personnes qui sont déjà dans le tissu professionnel. Alors, cette soirée, c'est une première déjà? C'est la première édition? Oui, la toute première édition qui est prévue donc pour demain, 18 décembre, à partir de 16h à la Maison des Jeunes d'Amanda Omé. 18 à partir de 16h à la Maison des Jeunes. Alors, je vois passe 10 000 francs. Passe unique ou... Oui, c'est un passe unique, mais qui donne droit à une bonne compile. Donc, pour les 10 000, vous avez un passe-bouffe et la consommation à volonté pour tout ce qui est bière et soda. Tout ce qui est bière. Donc, de 16h jusqu'à la fin de la soirée. 16h jusqu'à la fin de la soirée. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a encore des tickets disponibles? Il en reste quelques-uns. J'ose croire que jusqu'à ce que je finisse l'émission, il n'en reste plus. Mm-hmm. Sinon, on espère en tout cas faire guichet fermé avant la date. Et pour réserver ou pour acheter un ticket, est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Pour réserver, vous pouvez nous contacter justement au 90 26 44 38. Le 90 26 44 38. Voilà, le 90 26 44 38. Qu'est-ce qu'ils auraient raté s'ils rataient cette soirée? Un moment d'enjoyment. Ah, un fabuleux moment de rencontre. Mm-hmm. Peut-être même, pourquoi pas, leur âme sœur. Ah. Non, mais c'est Saint-Valentin. Là, c'est Saint-Valentin. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Mais justement... On s'en va là-bas comme ça. On serait vraiment très heureux de recevoir donc l'équipe de La Pause à Enjoy. Je pense que je peux me permettre, avec la permission du chargé événementiel qui m'accompagne, de vous offrir quelque chose. Je ne vais pas le dire à l'antenne parce que ça pourrait, ça pourrait m'attirer une foudre de demandes et de cadeaux, mais je le dirai à autre antenne. Okay. Alors, merci beaucoup. Merci franchement, beaucoup. Merci beaucoup, Madame Conan, d'avoir choisi de communiquer avec nous, La Pause. Et de toute façon, nous vous donnons rendez-vous demain. C'est à la Maison des Jeunes de Mandaroumi. C'est même pas perdu. Vous y allez, vous partez en famille, entre amis. C'est un moment unique, franchement. Et il faut se le permettre et vous vous amusez comme cela se doit. Respect des mesures barrières. On en parle. Concernant les mesures barrières, nous sommes donc fait accompagner de la Croix-Rouge et de la brigade également COVID. Oui. Donc à l'entrée, il y aura le test PCR également qui sera fait. Distanciation prévue, masque, gel hydroalcoolique sur les tables. On fera en sorte qu'il n'y ait pas donc trop d'accoupement et trop de frottement pour donc ensemble lutter contre la COVID-19. Merci beaucoup, Dorian. Merci infiniment. Alors, nous revenons sur les gagnants de la semaine dernière et de cette semaine. Ils sont nombreux, hein? Vous auriez pu rester à la maison, hein, vous aussi. Hein. Laissez-nous la duchesse là un peu. Oh. Bien, on a qui? Je pense que Yannick. On a quelques personnes dans le studio avec nous. Monsieur Giatto Adrien. Monsieur Giatto Adrien. Monsieur Giatto Adrien, venez s'il vous plaît.
Monsieur Diatto, il a participé à quel jeu? Alors, je vais voler encore le micro, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, vous aviez joué ou participé à quel jeu? Émission La Pause Sport. Pause Sport. Un Pause Sport avec monsieur John Guadagni. Hein. La question, c'était laquelle? L'origine de Yaya Touré, du joueur Est-Joueur de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré. On va rapprocher encore le micro. Et son naturel corps, en fait. Et les réponses, c'était quoi? En fait, c'est... Il est un ancien joueur, donc maintenant, il est devenu coach. OK. Donc, bon, et aussi le joueur Basti Touta, de l'Argentine. Son ancien club, c'est El Arabi. Voilà, il a trouvé. Hein. Je pense que s'il est là, c'est parce qu'il a trouvé. Alors, est-ce que vous allez être choqués si je ne vous donne rien du tout? Parce que Mère Noël! Chose promise, chose due. Je n'ai pas le choix. Alors, vous allez venir choisir votre duchesse. Vous choisissez laquelle vous voulez, sauf le blanc. C'est très important. Bien, OK, on va applaudir. Merci, monsieur Adrien. Il a choisi un bout de duchesse, merci beaucoup. La deuxième personne... Et on appelle Amadou Arafat. Monsieur Arafat, Amadou, venez aussi, d'accord. Bien, on va applaudir notre téléspectateur, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, il avait joué à quel jeu? Justement. Monsieur Arafat. Monsieur Arafat, c'était quel jeu? C'était un faux sport. Un faux sport également. John, arrête de dire à tes cousins de jouer. Hein. Bien. C'est pas votre cousin. Non. OK. La question, c'était laquelle? Ça lui donnait le nom de deux joueurs. Il y avait un qui était ukrainien, l'autre qui était un français. D'accord. Donc, l'ukrainien était Shevchenko. Et le français était Yuri Djokaev. Vous aviez bien épelé. En tout cas, les questions étaient parfaites. Bien. Alors, venez, vous allez choisir aussi votre bouteille. Sauf le blanc. Sauf le blanc. Sauf le blanc. Et pendant Océane... Et pas de bouteille grosse, hein? OK. OK. Choisissez, allez-y. Alors, pendant qu'il est en train de choisir, on va appeler Anani comme l'envie. Monsieur Anani comme l'envie. On va raccompagner notre invité avec des applaudissements. Monsieur Anani, vous êtes un gagnant, mais définitivement un gagnant, franchement. Parce que lui aussi, aujourd'hui, va repartir avec une bouteille de duchesse. Bien. Quel était le jeu? Quel jeu également? Bonjour. Bonjour. On m'avait posé la question, quelle est la superficie du Togo? Oui, vous aviez dit. 56 600 km². Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont donné 58 600, ils ont ajouté. Le jour-là, je vous disais que le Togo, ça a augmenté. Océane a voulu jouer sur la psychologie. Le terrain a augmenté. Attention, le Togo a élargi ses frontières. Et puis, ils ont rajouté. Oh, félicitations. Alors, monsieur Anani, venez choisir votre bouteille, c'est pour vous, d'accord? Si Podard Benjamin est là. Si Podard Benjamin est avec nous. La grosse, hein? Ah ben, dis donc, on n'a que des hommes bruts hein, avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, et Duchesse de Châteaufort. Merci beaucoup. On leur accompagne avec des applaudissements. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour, Benjamin. Vous allez bien? Oui, c'était quoi, le jeu? Oui, bon, le jeu, c'était, on a demandé la superficie du Togo. Aussi. Oui, et en plus de ça, le premier président togolais. Ah. Oui. OK, d'accord. Et le nom, c'est? Le premier président togolais, c'est Sylvanus Olympio. La superficie? C'est comme 6 000. C'est pas ça, hein? Si, elle a trouvé. Alors, vous venez vous aussi choisir votre bouteille. Ah, ceux qui n'ont pas encore eu leur nom, laissez demander dire quoi t'en as eu. Venez. Choisissez votre bouteille. Ah, elle a pris la grosse. Merci beaucoup. On va l'applaudir. On la raccompagne à sa place. Aïcha Tourou. Est-ce qu'elle est là? S'il vous plaît. Oui, elle est là. Est-ce qu'elle est là dans le studio? Rapidement elle est là, également, Teco Ornella qui se prépare. Ornella peut venir avec elle, s'il vous plaît, rapidement. Bien. Alors, c'était quel jeu? J'avais joué Superficie du Togo. Superficie du Togo. Et trois anciens gloires de la musique togolaise. Venez. D'accord. Et vous? Bonjour. Je m'appelle Mademoiselle Teco de Ornella. Oui. Alors, la question était la superficie du Togo. D'accord. Et aussi le premier président du Togo. D'accord, c'est parfait. Bien, alors les filles, vous allez, il reste que deux bouteilles. On va garder la blanche pour la blanche et la rouge pour la rouge. Bon, allez-y choisir. Bien, on va appeler les derniers numéros, on va rendre l'antenne dans quelques secondes. C'est d'accord. Ça, le tout dernier. Alors, Goka Eureka, venez s'il vous plaît. Et je veux rappeler également que nous avons Aura Bank qui a joué avec nous. On a deux personnes.
Voilà, on a Bossou Victoire. Bossou Victoire, si elle est dans le studio. Qui est la gagnante du jeu Aura Bank. Gagnante du jeu Aura Bank. On va applaudir également pour Madame Victoire, s'il vous plaît. Son numéro de téléphone. 93 04 14 53. Voilà. Et on va lui remettre son lot ici. Et on a une dernière personne ou c'est fini? Fabrice de Baguida. Fabrice de Baguida. 90 14 02 92, est-ce qu'il est là? Alors, je pense qu'il s'est fait représenter, mais on va gérer ça à la fin de cette émission. Voilà. Alors ça, c'est pour vous, madame, de la part d'Aura Bank, avec nos hommages. Et j'espère que vous allez bien profiter de ce colis. Merci beaucoup. Et pour vous, on va vous faire un gros pack. On va vous offrir un instrument pour les femmes et également de la tomate. Ne vous inquiétez pas, je vais ajouter des parfums, des trucs, plein de trucs pour vous. En tout cas, je veux juste dire merci à tous ceux qui ont fait cette émission, principalement la réalisation. Un grand merci à Madame Conan également, qu'on retrouve demain de l'autre côté de la Maison des Jeunes d'Amanda Romé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre avec les jeux. Merci à mon équipe d'amour. Merci. Merci. Gros bisous. Mouah. Bye bye. Ah, super. Ah.